Bon, du coup, game, on va tester le stuff sur Aise. Voilà, je vous le dis, au bout d'un moment, vous m'avez. On va dire les termes, vous m'avez cassé les couilles. Voilà, je le dis, vous m'avez cassé les couilles à me dire que Ezreal c'est bien. Vous avez réussi à me convaincre. Au moins d'essayer. On joue contre une petite Caitlyn de merde. Du coup, on va jouer Aise avec le stuff à la mode chez les jeunes. Alors, mon avis sur Ezreal actuellement, je trouve que le champion est faible. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui me disent que le champion est vraiment fort. Et, comme on dit, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Or, moi je suis un con, donc je ne vais pas changer d'avis. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va build? On va faire du coup Manamune. Enfin, on va faire Essence River, Manamune, Navori. Voilà. Je pense que j'ai déjà. Alors, j'ai testé beaucoup de stuff sur Ezreal. Et là, je n'ai pas testé ce stuff-là. Enfin, j'ai fait une game, mais c'était pas suffisant. Et on va pouvoir voir un petit peu plus ce que ça donne sur cette game-ci. Je ne ferai pas Kraken sur Ezreal parce que le stuff avec Kraken pue. Voilà, je le dis haut et fort. Et écoutez, on va voir ce que ça donne. Je ne joue pas First Strike parce que je fais les runes des gens, parce que voilà, mais je pense que First Strike est mieux. Après, je joue aussi contre Caitlyn Lulu, donc forcément, c'est un peu plus gênant. Ouais, bon, on a start TP longue. Ça commence bien, on a raté le premier creep. Bon, alors déjà, il faut vraiment farmer fort avec Ez. Ok, nice. Petit premier QSPL qui touche. La start quoi? Doran Blade, la Kate. On va essayer de push la wave là. Faut mettre un stun? Oh, dommage. Ok, le trade reste positif. Dommage que elle soit partie par là. Alors, je vais peut-être avoir des petits soucis de mana en lane parce que je joue sans présence of mind. Tandis que je vais go Essence River. Là, j'ai mis un petit dash in. Je joue sans cookie aussi. Pourquoi? Parce que les cookies, c'est nul. Après, je fais mana mune. Donc, en vrai, les cookies sont pas nuls quand tu fais mana mune. Ça donne du mana max, donc de l'AD. Mais vu que je go Navori, je préfère tous les jours faire prendre du coup Genu Center. On récupère nos petits CS tranquillement. Il est hors range de tour normalement. Ok, il y a Ken bot side, c'est Graves jungle. Oh, j'ai pris un headshot et une auto Lulu et j'ai même pas eu le creep. Ok, un pour un. Oh, close. Nice. On est even en CS avec Kate pour l'instant. Oh, et le match-up contre Caitlyn. Alors, évidemment, Caitlyn a le match-up, mais ça se joue. Hein. De toute façon, avec Ezreal, tous les match-ups se jouent. Donc, arrête, avec Ezreal, tous les match-ups se jouent et aucun match-up se joue à la fois. Donc. Ok, je peux plus l'avoir. Il y avait Graves bot side. La wave commence à être un peu désagréable. Ok. Marcher dans le trap était peut-être pas le plus intelligent. On l'avait vu le poser pourtant, mais. Bon, il s'est un peu fait déchirer Bard. On a quoi? Plus de potion sur Lulu. Elle a un headshot, elle. À mettre sur le canon là tranquille. Ah non. Ah, mais Lulu joue avec cet item support là. Ah, si j'avais vu, j'aurais joué un poil différemment. Et moi, je voulais pas prendre de trade contre elle. Ok, plus de heal Kate, je vais ward tree. Au cas où il y a Graves qui arrive. Faut que je fasse gaffe parce que là elle peut vraiment flash in. La petite Lulu.
Il me faut surtout l'XP. Ok, elle a plus de mana. Je perds un peu de creep, mais c'est fine. Alors, Ilaine va être un tout petit peu dur. En fait, c'est vraiment... Il me faut mon premier back avec tir brillance pour que je puisse jouer... pour que je puisse jouer au jeu en vrai de vrai. Je sais pas ce qu'il me fait la board par contre. Go push vite parce que ça drague le canon super loin. Bon, je vais casser un peu ma tempo pour revenir mais... Ok, pas d'infobot. 2 CS d'avance mais j'ai vraiment un recall late. Après c'est fine, la wave abonne vers moi, normalement elle va vouloir push cette wave, je vais probablement tout perdre. Ok, j'ai un très bon recall par contre. Faut que je trace, j'ai ma tire, ma brillance. Les cool kids ne font plus tir sur Azreal, non. Ouais bah les cool kids qui vont se faire foutre parce que ne pas faire tir sur Azreal ça pue sa mère, voilà je le dis haut et fort. Enfin, ça dépend, en fait si tu fais pas de tir, c'est-à-dire que tu fais Kraken, si tu fais Kraken, c'est-à-dire que bah c'est nul en fait, voilà. Oh elle pousse pas la wave, let's go. Du coup le recall est avantageux pour moi. Ils ont quand même pris une plate, mais c'est qu'une seule plate sur ce matchup pour l'instant. Bon, on a plus de flash bard. Là je vais commencer à essayer de sniper un peu des Q spells. Je vais essayer de clear ça. Ok, on est level 6. Elle l'aura pas toute seule. Ah, j'avais pré-shot son sidestep, mais un peu trop haut. Ok, maintenant mon taf, ça va être d'essayer de sniper des Q. Voilà, sur Kate, comme ça, parfait. Chier Lulu à Stepin. Elle a eu l'info sur moi du coup. Ah ça commence à devenir un peu dur le matchup là. L'utilité de Bard est ma foi quelque peu contestable. Lulu est 6, on a beaucoup moins de kill pressure. Bon, je l'ai pas eu. Ils vont prendre des plates, normal. Elle a quoi? C'est vrai, putain, j'ai pas la D. J'arrive. J'ai mon exhaust. Est-ce qu'on peut voler ce dragon? Mais que spell qui touche. Et on leur laisse comme ça, on est leur pute, hein. On n'avait pas de mid prio aussi. Donc pour moi s'il te plaît. Merci mon frère. J'ai quand même pu prendre un peu de poke. Après ils avaient du recall. Ulti. Oh. Wow guys. Impressive! Je reste un peu, il manque pas grand chose pour mon essence river.
Merci pour le ganké. Je récolte, je pense. En vrai, je vais repush la wave. J'ai pas trop envie de vendre ma potion rechargeable en fait. Wild stage, je pensais qu'elle avait recall. Ah, du coup, c'est du troll un peu de push ça, si elle stay. Après, potentiellement, lui en roaming parce que j'étais pas censé stay non plus. Ouais, lui roam top. Regardez là. Bon, on va back. Pépère, j'ai mon premier spike essence river. FF able subgap as you can see. Dites bard forced you to air under turret. I can't get hauled into wizard court again. Ok, good to know. Can you mental control enemy team as well, Bard, please? Go, go, go. Ok, j'ai le flash gate. J'ai peur. J'ai touché mon dernier Q mais ça a pas suffi. J'aurais dû essayer de R. Bon, après c'est chaud de pré-shot l'ulti lui, mais j'aurais, si j'avais pu, il aurait fallu que j'aille dessus. Ah, oh, j'aurais pas gagné de la plate. Je pourrais, mais c'est un peu ultra. Bon, du coup, on fait mon ami une deuxième item. Tuer, tuer, tuer. Plate upside. Ils vont récupérer une plate encore. Il y a Graves ici. Graves, but. Putain, je peux. Ah, mais il est hard. Ah, il y a Annie aussi. What? Attends, mais... Mon ulti... Je me suis repris un stun, j'ai pris quoi? Parce que mon ulti elle peut faire de fou malade. Allez mon frère, rise. Je mets un beau cul. On a réussi à snipe Annie. Tu vas te faire foutre qu'il y a une barre, excuse-moi, tout bien tout honneur évidemment, mais... Celui-là il est pour moi. Hein. Polymorphe. C'était doublé Lulu. Mon ulti a buffer genre une... Pendant une durée frère. En fait j'ai cru que j'étais focus sur autre chose, donc au début j'ai cru que c'était mon ulti qui m'avait auto-CC, tu vois. Et après je me dis putain mais l'ulti ne vient jamais en fait. Oh la barde. Ouh la board.
Ok, on se tire. Ouh, y'a Annie qui me chase là. Elle va me chase longtemps. Je m'en vais, c'est bon, tranquille. Bon, ça, mon Ezreal, j'ai pas trop perdu quand même. Je trouve que mécaniquement c'est plutôt clean. Je mets des beaux culs. On envoie, est-ce que je veux rush Manamun ou est-ce que je prends mes bots rang 2? Je pense que je vais go bot rang 2 quand même. Dans un setup où la wave. Enfin, la terrain bot est fait tomber, on est plus trop en laning, besoin de mobilité un petit peu. Mon bard. Il a qu'une mort, bard. Ah, mais Ryze à tout prix. Oh, j'ai pas vu ça. Putain, j'étais focus sur autre chose, je regardais le chat. Ah ouais, mais du coup, je suis mid. Ok. Qui n'a tenté le 50-50. N'est pas passé malheureusement. Je pense qu'elle a un red buff hein. Pas trop de possibilités de dash in là. Ils ont Annie Lulu. Et t'as quand même eu les 5 play de bot parce qu'il y a eu l'Hérald de Kayn. Ok, choper quelqu'un. Wouah, Chinese Caitlyn. Ok, nice. All played. Bon air, ça rise. Ok, on récupère la T1. En vrai, j'ai Manamune, j'ai rien à prendre une wave de plus quand même. Je vais air. Bon, ça après push la wave. Peur lui. Ok. J'ai mana mune, j'ai quasiment mur à mana en vrai de vrai. Ok, du coup on a deux items. On part maintenant sur Navori. Pour le moment, c'est le staff normal sur Ezreal. Et pour l'instant, ça se passe bien. Là, c'est au moment où ça va être un peu tricky. Parce que c'est au moment où on part sur Navori qui coûte 3400 gold. Pour me donner 8% de dégâts supplémentaires sur mon Q-spell. Ce qui me semble être un vraiment bon choix tactique. Mais aussi, en vrai de vrai, pas mal de CDR sur mon E, notamment mon Q au final. Ok, je voulais pas donc je pense pas que je change grand chose. Merde, j'ai mort. À 15 secondes du Nash, je pense qu'on peut le hold 1. Il y a Zani bot side. Ok, on a eu Annie. Oh putain. Comme je l'avais pas vu, il a TP derrière moi ou il a pop depuis le bot side. Bah là ouais, il est giga long, il a TP non? Il a forcément TP frère. Je sais pas ce que tu fais Bard mais bonne chance.
Ok, arrivée de Kennen. J'aurais dû l'exhaust, putain. Bon, il m'a flash in. Pour ça, j'aurais dû le tuer là. J'ai mal joué. Indépendamment de l'exo, je crois qu'il y a un Q-spike qui pouvait partir et qui pouvait le kill. Ça reste ok, après je donne quand même 600 gold. Mais il a plus de flash. Go pickaxe. Ça n'a sur le stack ni Genu Center. Il manque seulement Graves à partir de maintenant. Nice. Avant d'arriver sur live, je sais pas si t'en as déjà parlé. Tu penses quoi de Ezreal sans Madame Une? je pense que c'est vraiment pas ouf. Après, ça dépend ce que tu fais à la place, quoi. Je pense que c'est quand même ton core item. Hein. J'ai pas beaucoup de CS par contre. Ça reste ok, mais c'est pas incroyable. Il nous faut ce dragon, hein. C'est mandatory. Allez, rise. Elle avait un shield anyway. Oula. Aïe. Ne m'en va. Merci. Je suis pixel perfect par contre. J'arrive. Ok. J'ai... Yes. Ok, je pense que je vais stay un peu. Y'a un raid ou pas? Ça se grid, ça se grid, mesdames et messieurs. Oui, la smite. Ça se gridait, ça se gridait. Ok, Ken a réussi à clutch le move quand même. Hein. On a mis, on a fait du bon taf sur Annie au début, à la flash d'ailleurs. Du coup, c'est vraiment un bon point positif pour nous. Pardon, je sais pas, je voulais pas mettre ce ping là. J'arrive slow, mais il y a Graves aussi dans le coin. Salut. Merci Bulldog pour le sub. Ok, on voit Graves. C'est Warday ici 100%. Je check les dégâts hein, de mon Prezi attaque, mais je sais déjà ce que je vais y trouver. Ouais, 450 de dégâts. Je me doutais que ça allait être de la merde. On a pas de red trinket, non. La vision Nash, mais ça va pas rester longtemps cette vie. On avance, mais on fait quoi? Non! Ok. Ok. Kate, elle est full HP.
Oh, l'ulti de Bard, hein. Ça fait être une catastrophe. I'm not sure we can. We have double TP, non, we just have one TP. Navori ou pas? Je vais stay jusqu'à... I stay until Navori. I stay, les gars. Trinité, c'est plus viable sur Ezreal. Et pourquoi il n'y a plus de build à base de Gantelet Givran? Oula. Ouah, Gantelet Givran, c'est y'a... Fou. C'est y'a quoi? C'est y'a un petit moment quand même. Et Trinité, c'est... Je vous déconseille à tous de build Trinité sur Ezreal. Laisse-moi les creeps, s'il te plaît. On n'avait plus jamais Ezreal. J'ai Navori. En gros, Trinité, je vous déconseille de faire. Pour jouer Trinité, il faut vraiment être bon sur le champ. Et quand je dis bon sur le champ, c'est... Alors ça peut-être pas être... Arrête, ça dépend. Ça dépend de vous. Si vous considérez que vous jouez... En fait, c'est plus que moi, je considère que je joue pas assez bien Ezreal pour jouer Trinité, ok? Donc, si vous considérez que vous jouez moins bien Ezreal que moi, ne faites pas Trinité. Si vous considérez que vous jouez mieux que moi, vous pouvez réfléchir à faire Trinité. Maintenant, il faut que vous soyez quand même pas mal meilleur que moi sur le champ. Donc voilà, à vous de décider, sur votre âme et conscience. Autrement, je vous déconseille Trinité. Bon, on a Navori, on va voir ce que ça va donner cette connerie. Merci beaucoup Starlung pour le sub. Il y a Graves. Ouais, je vais Blue Trinket Nash, mais... Ils ont Blue Trinket aussi, tiens. Oh, il était pour moi. Le Bard est en mission en fait. Et je lui ai mal parlé. Ah, on pouvait peut-être rien en vrai. Est-ce que c'est pas Worth qui TP avec son Ryze là? Ah ouais, il y a un monde où on pouvait la game. Hein. Et ouais, t'es tellement bien setup. On go le safe play. Hein. Ah, je vais pas qu'on va devrait. Serilda du coup après. Là on va devrait c'est Serilda ou item mythique. Je crois que tout le monde est en train de dire que tu es mauvais sur Ezreal, Rex. Ah peut-être, hein, peut-être. Après si vous faites, comme je dis, vous faites votre âme et conscience, enfin votre propre jugement sur le champion, mon niveau et le vôtre. Hein. Combien de dégâts en plus, 8% sur le Q. En ability haste. Au pressure là. J'ai pas de flash encore. Attends mais je... Faut que je vérifie un truc, j'ai oublié de désactiver ou... Attendez... Ah merde. Merde, 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 je l'avais laissé up, ok. Tranquille, ok, non mais je... Je vais peut-être toucher un peu moins de Q là. Je commence un peu à fatiguer. Attends, je vais essayer de poke Caitlyn. Ok, ok, c'est bon. Ok, j'envoie un Q sur Lulu. Ok, nice. Ouf. Ok.
Mais c'est bon, il est bien enlevé là. Nous sommes des animaux. Allez, allez, allez. Merci Nawik pour le resub. Je fais quoi ça, Linda, quand même, je pense. Ça fait plaisir de rejouer Ezreal. En vrai de vrai, bah là c'est une game où ça se passe plutôt bien aussi, donc forcément ça joue, mais... Vas-y, on va go Serilda. Je fais un directeur dernier item, je pense. Ça donne 20 bits d'ability haste. J'ai pas trop quoi penser de Navori, hein. C'est en fait, l'item coûte 3400 gold. C'est beaucoup d'argent, 3400 gold. On a 3 zim, là on peut N1, juste on avance. No trolling, play it slow guys. Oh, la force de la nature, right. Et il dit haut et fort que Caitlyn ne sert à rien alors qu'elle a une Lulu. Ah oui, Caitlyn a fait péter deuxième item et elle joue Fleet. Suis-je surpris qu'elle ne serve à rien. J'arrive. Tu as tout le temps ton E et ton Z avec Narui, c'est pas mal je trouve. Ouais, ouais, de fou. J'arrive. En fait mes CD sont très courts, donc forcément Narui a pas beaucoup de value. Hein. J'ai grid, je voulais flash out, je n'avais pas de flash. Ok. Oh là, on les a arrachés. GG. Du bon taf. Je mettrai honneur sur Bat parce que je l'ai diffamé sur l'early game. Mais il a fait du très très bon travail, je trouve. Pour le coup. Bilan de cette game sur Ezreal. Bilan de cette game, je n'ai pas de dégâts. Hein. En vrai, bilan plutôt positif, supérieur à ce à quoi je m'attendais, je vais être honnête. J'ai quand même pas beaucoup de dégâts, honnêtement. Pourtant, j'ai touché des... En temps normal, j'ai quand même plus. Est-ce que... Navori est vraiment l'item à build ? Est-ce que Prezi Attack est la rune à jouer surtout ? 1100 de dégâts sur Prezi Attack. Ah ouais, le truc qui est bien avec Prezi Attack, c'est à overheal et bloodline. Et le problème, c'est que si tu joues First Strike, tu peux pas jouer Ingenious Hunter. Je me tâte. C'est toujours le problème infini avec Ezreal. Hein. Parce qu'autant, je peux jouer First Strike principal et joue du coup overheal et bloodline en secondaire. Ce sont deux runes plutôt cool. Ne parlez pas de Conqueror s'il vous plaît le chat. Conqueror c'est nul à chier. Et si je joue First Strike avec Ingenious Hunter, j'ai pas de sustain et j'ai pas non plus overheal qui est quand même une rune plutôt pas mal. Et ça c'est un gros problème avec ce stuff parce que du coup je me retrouve à faire un Navori très tard. Enfin très tard, je vais faire assez tôt mais ça coûte beaucoup de gold donc j'ai pas de sustain. J'ai trouvé un bon équilibre avant le nerf de Eclipse. Je pense que je suis obligé de jouer avec une Keystone de merde sur Ez. Hein. On verra. Hein. Non, mais plutôt positif. On refera des games de Ezreal. Voilà. On refera des games de Ezreal et on aura plus de points. Pour moi, je fais deux games d'Ezreal avec ce stuff. C'est deux fois bien passé. Je suis toujours pas trop convaincu, honnêtement, de Navori.